Bonjour. Alors, je suis Pierre-Henri Tavoyot, je suis philosophe. Très heureux de commencer le 17e congrès du CINARPA, 17 ans. Et nous sommes le 15 juin. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 17 ans le 15 juin ? On passe le bac de philo. Voilà. Alors, la CINARPA a une excellente idée, c'est-à-dire de vous faire passer le bac de philo. Donc, sortez une copie. Apportez, s'il vous plaît, vos sacs et vos téléphones portables devant l'estrade. Et donc, vous allez traiter le sujet que je trouve intéressant, série S, défendre ses droits, S, défendre ses intérêts. Vous avez 4 heures. Bon, évidemment, pardon, c'est une blague, mais nous allons en effet traiter de la question des âges de la vie. 17 ans, c'est pas tout à fait la majorité. Et on sait aujourd'hui que 18 ans, ce n'est pas tout à fait être adulte. De façon générale, les âges sont considérablement brouillés dans notre société contemporaine. On sort de l'enfance de plus en plus tôt, on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, certains disent jamais. Les vieux ne veulent pas vieillir, les adultes veulent rester jeunes, personne ne veut faire son âge. Et ce vieillissement de la population dont on parle, cette augmentation de l'espérance de vie, on a l'habitude de penser qu'effectivement, on a gagné du temps plutôt à la fin. Et que la phase de la vie qui augmente, c'est la dernière. Mais c'est assez erroné en vérité. À l'âge biologique, pour les animaux, il y a en fait deux âges de la vie. Il y a l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse, parce que quand on peut procréer, dans la nature, on le fait. Et il n'y a pas de vieillesse parce qu'on se fait bouffer avant. Deux âges de la vie. Et ce qui caractérise les sociétés humaines, c'est précisément d'avoir inventé deux nouveaux âges. L'âge où on peut, mais on n'a pas le droit. On peut procréer, mais on n'a pas le droit. C'est ce qu'on appelle le moratoire de la jeunesse. Cet âge qui, en effet, dans nos sociétés contemporaines, s'est considérablement élargi. Donc l'allongement de l'espérance de vie, ce n'est pas simplement à la fin. C'est ce nouvel âge intermédiaire d'une jeunesse de plus en plus grande qu'on appelle aujourd'hui de manière snob la génération Y. Ce n'est pas une question de génération, c'est simplement la jeunesse. Elle est aujourd'hui beaucoup plus ample. Et puis de l'autre côté, il y a en effet une vieillesse qui s'est considérablement élargie et qui pose problème aujourd'hui. Adaptation de la société française au vieillissement, magnifique loi en effet. Mais comme si d'une certaine façon... vieillir était un problème nouveau. Or, c'est là où il faut, je crois, prendre un petit peu de recul historique. Vieillir, ce n'est pas du tout neuf. C'est tellement pas neuf que c'est sans doute la première grande querelle philosophique. Et je voudrais vous la raconter très rapidement. La querelle de la vieillesse qui commence en philosophie quelque part entre la Ionie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle met en œuvre deux protagonistes. L'un est très connu, Solon, le grand sage athénien, fondateur de la démocratie. Et de l'autre côté, un poète moins connu, mais à l'époque extrêmement célèbre, qui s'appelle Mimnerme de Colophon, qui est un poète élégiaque, formidablement réputé dans la Grèce du 5e siècle. Et ce poète, Mimnerme de Colophon, avait écrit un poème tout à fait intéressant qu'on a toujours, et qui reprenait le mythe de la déesse Aurore. Alors ce mythe, je voudrais vous le raconter rapidement, Aurore était une déesse, évidemment sublime, comme toutes les déesses, magnifique, belle, et qui eut le malheur de tomber amoureuse d'un jeune et beau mortel qui s'appelait Titon. Elle entre en relation avec Titon, les affaires se passent très bien, mais assez rapidement, Aurore voit le problème. Et elle imagine effectivement Titon est un mortel, alors qu'elle est, elle, immortelle. Et donc, elle va quémander auprès de Zeus la possibilité d'avoir le privilège d'avoir pour Titon l'immortalité. Et à sa grande surprise, Zeus, avec un petit sourire en coin néanmoins, accède à sa demande et donne à Titon l'immortalité. Évidemment, quelques temps après, à l'échelle des dieux, Aurore s'aperçoit qu'elle a oublié de demander le complément indispensable de l'immortalité, à savoir l'éternelle jeunesse. Ce qui fait que le pauvre Titon devint assez rapidement impropre à l'usage, en tout cas à l'usage qu'espérait en faire Aurore. Il se dessèche,
il se rabougrit. Et il y a même une version du mythe qui dit qu'il devient, comme il était très beau, hein, Titon, il sentait très bon, donc il devient une plante aromatique qu'on mettait dans la soupe le soir. Voilà. Et Mimnerne de Colophon, qui reprend ce poème, conclut. Zeus fit un don à Titon plus glacial que la mort. Elle est fugitive, je cite de mémoire, elle est fugitive, la précieuse jeunesse, tandis que la vieillesse, abominable, défigure l'homme, lui voile l'esprit et lui ferme les yeux. Puissais-je, sans atteindre cette vieillesse, aux environs de 60 ans, accéder à la mort ? C'est-à-dire, puissais-je mourir sans vieillir ? Voilà le poème. Donc vous voyez que la question du jeunisme, ce n'est pas quelque chose d'actuel, de contemporain. Dès le 5e siècle, et on pourrait remonter même avant, eh bien, la détestation de la vieillesse existait. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de la mer Égée, à Athènes, Solon, quelques temps après, reçoit le poème. Lui a 80 ans. Il est sage, il est respecté, et il dit, c'est quoi cette affaire ? Moi, je suis en total désaccord avec Mimnerne de Colophon. Non, je trouve que la vieillesse, ce n'est pas qu'un naufrage. Je rappelle que la formule de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage, ce n'était pas en général, c'était à propos de Pétain. Il faut s'en souvenir. Que la vieillesse n'est pas simplement un naufrage, qu'elle a quelques atouts, quelques vertus qu'il convient de rappeler. D'ailleurs, dit-il, moi je peux espérer, entouré de mes proches, de mes amis, de mes concitoyens qui me respectent, que quand je mourrai à 80 ou plus, eh bien, les gens seront tristes. Preuve que cette vieillesse n'est pas une catastrophe. Donc il propose, Solon, de changer la fin du poème et de dire, non pas cette vieillesse abominable qu'il faut faire disparaître, mais en vieillissant, dit Solon, en vieillissant, je continue d'apprendre. En vieillissant, je continue d'apprendre. Cette petite phrase, prononcée par Solon au 5e siècle avant Jésus-Christ, va déclencher la plus gigantesque querelle philosophique qui soit. Tous les grands auteurs vont s'en réclamer, pour ou contre d'ailleurs. On aura Platon, Aristote, Montaigne, Sénèque, Schopenhauer, Nietzsche, Rousseau et bien d'autres vont parler de cette phrase. Et ce qui structure une sorte de gigantesque querelle de la vieillesse qu'on pourrait formuler par vieillir pour ou contre, d'ailleurs, tiens, un beau sujet de dissertation que l'on pourrait traiter ici. Vieillir pour ou contre. Je fais un petit résumé des arguments pro et contra, si vous voulez bien. Ils sont intéressants parce qu'ils montrent d'une certaine façon qu'on n'a rien inventé. Contre la vieillesse. Le premier, le plus grand, c'est sans doute Aristote. Il compare la vie à un arc. Bios, la vie, est un arc. Bios en grec. Bios esti bios. La vie est un arc avec un sommet. Le sommet est assez clair. 35 ans pour le corps, 49 ans pour l'esprit. Chacun se reconnaîtra. Alors, il dit 49 ans environ, ce qui est assez coquet de sa part, puisque c'est quand même très précis. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme dirait Romain Gary. 49 ans pour l'esprit, alors certes, dit Aristote, il nous arrive d'admirer de sages, de beaux, d'énergiques vieillards. Mais en vérité, ce que nous admirons, c'est jamais la vieillesse. C'est l'énergie, la beauté, la sagesse qu'ils ont en dépit de la vieillesse. La vieillesse, elle, n'est jamais admirable. Donc ça, c'est l'argument contre. La vieillesse est tout simplement un déclin. Ça paraît frapper du coin du bon sens. Mais face à cet argument, un autre argument va être développé dans toute l'Antiquité, par Platon, par Sénèque et par bien d'autres, selon laquelle la vieillesse a des avantages. C'est notamment le cas de Cicéron dans son magnifique texte des Sénectutés de la vieillesse qui raconte, qui dit, voilà, la vieillesse est en fait une libération. Pendant toute notre existence, nous sommes animés par des pulsions, des passions, et progressivement, ces pulsions, ces passions sont apprivoisées, ce qui fait que le vieillard fait plus car il fait mieux. Une image d'un philosophe néoplatonicien résume ça, c'est Plotin qui disait « Le sage est celui qui sculpte sa propre statue ». Magnifique phrase, mais qui ne veut pas dire qu'il faut faire du bodybuilding, ou la sculpture sur le corps, mais c'est plutôt ça. Pour les Grecs, la statuaire, c'est un art qui enlève. Vous avez un bloc de marbre,
et vous enlevez le superflu pour faire apparaître la forme qui est déjà là. Et donc la vieillesse, c'est la sagesse, puisqu'on fait disparaître progressivement le superflu, ce qui fait qu'un jeune ne peut pas être sage. Un enfant ne peut pas être sage parce qu'il y a trop de superflu. Il faut arriver à la quintessence. Foutaise, répondront un certain nombre d'autres penseurs, dont Nietzsche ou Montaigne, qui diront que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Certes, le vieillard est sage. Certes, le vieillard est ascète. Certes, le vieillard est recueilli. Mais tout ça est un masque. Un masque. Recueilli, sage, ascète, c'est simplement pour cacher qu'il est fatigué, qu'il est impuissant et qu'il manque d'appétit. La sagesse est une forme de cosmétique pour une vieillesse qui se ment à elle-même. Une gigantesque hypocrisie qui identifie sagesse et vieillesse. Et alors, pourra répondre plus tard Rousseau, après tout, on peut être lucide sur son déclin et en même temps essayer de vivre le mieux possible avec. C'est ce que dira Rousseau dans le plus beau texte sur la vieillesse sans doute qui existe, Les rêveries du promeneur solitaire. Rousseau, qui n'a fait que parler de lui pendant toute sa vie, à la fin de sa vie, décide vraiment d'être sincère. Et le texte est admirable parce qu'il témoigne de la manière dont, par l'écriture, un auteur parvient à se guérir lui-même. Il commence ses rêveries dans un état de paranoïa avancé. Il y a un état, un complot général contre lui. Et progressivement, il parvient, par justement la grâce de l'écriture et de la réflexion sur soi, par arriver à cette idée, et il cite d'ailleurs Solon, « Certes, dit-il, je ne suis pas sûr d'arriver à la promesse de Solon, en vieillissant, je continue d'apprendre, mais à tout le moins, je peux parvenir à élargir mon esprit. » Et l'idée est très forte. Vous voyez, quand on est jeune, on grandit, et quand on est vieux, on s'élargit. Ça marche pour le corps. Bon. Eh bien, Rousseau suggère que ça marche aussi pour l'esprit. Je grandis, puis je m'élargis. Voilà la gigantesque querelle que j'ai rapidement résumée. Les pour, les contre, les contre, les pour, on pourrait multiplier les exemples. Qui a raison? Eh bien, évidemment, personne. Ou plus exactement, tout le monde. Parce que la vieillesse, la philosophie de la vieillesse, c'est l'idée que nous allons probablement, et nous savons peut-être déjà, passer par ces étapes. C'est-à-dire l'idée que la vieillesse est à la fois une perte et un gain, les deux. C'est ça le tragique de la vie humaine. Il ne faut pas espérer dire, voilà, vieillir c'est formidable, personne n'y croira, mais peut-être pas non plus identifier comme tel le vieillissement comme une catastrophe ou forcément un naufrage. Personne n'y croira non plus ou on aura plein de contre-exemples. Simplement, il faut savoir que ce sera les deux ensemble. Cette querelle-là, elle est faite depuis très longtemps et toutes les munitions ont été tirées. Est-ce à dire qu'il n'y a plus rien à penser? Non. Mais précisément, en l'identifiant, on voit ce qu'il y a de nouveau dans notre situation présente, hyper moderne, comme disent certains. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est peut-être deux choses. D'une part, que la frontière de la vieillesse est peut-être devenue plus incertaine. Quand j'étais petit, un ami de mon grand-père avait pris sa retraite et le jour de sa retraite, il s'était acheté une canne et une pipe. Il marchait très bien, il n'avait jamais fumé. Simplement, il prenait l'uniforme. Aujourd'hui, le jour du départ à la retraite de votre collègue, offrez-lui une canne et une pipe. Ça risque d'être mal pris. Il faut au contraire offrir, je sais pas, une moto, un VTT, un voyage, enfin quelque chose qui témoigne, c'est une autre étape de l'existence, pas la fin. Donc voilà ce qui a changé. Le seuil d'entrée dans la vieillesse est un seuil devenu incertain et en tout cas existentiel, personnel. S'il y a des vieux dans la salle, faisons un petit sondage, y a-t-il des vieux dans la salle? Levez la main. Merci. Bon, pas beaucoup. Y a-t-il des jeunes? Ouais, c'est vachement crédible. Y a-t-il des adultes? On y reviendra un peu plus tard. Donc ça, je vous redonne rendez-vous tout à l'heure, on en reparlera. Les adultes, restez tranquilles. Et simplement, il y en a certains qui ont levé plusieurs fois la main. J'ai les noms, je les ai vus. Ce qui prouve effectivement que l'entrée dans les âges est devenue incertaine.
Certains diront, je me suis senti vieux quand on a cédé sa place dans le bus un matin. Cette entrée est devenue incertaine. Deuxième changement, le fait que la vieillesse, ou ce qu'on appelle vieillesse, est considérablement allongée, mais aussi pluralisée. Il y a plusieurs vieillesses dans la vieillesse, trois à vrai dire. L'âge où on est âgé sans être vieux, la retraite, ou après une existence professionnelle, on repart pour une autre phase existentielle. La retraite inventée pour être un court temps de repos après un long temps de labeur devient quelque chose d'autre. Je n'ai jamais été aussi occupé depuis que je suis à la retraite. Âgé sans être vieux. Première vieillesse qui n'en est pas une. Deuxième vieillesse qui en est une, classiquement, la vraie vieillesse marquée par deux signes difficiles, le syndrome du rétrécissement et le syndrome du glissement. Le monde se réduit, les amis disparaissent, les capacités d'action sur le monde s'effacent et le syndrome du glissement, il est beaucoup plus difficile de remonter la pente après une petite maladie, une grosse maladie. Voilà, on sent qu'on glisse progressivement. Ça, c'est la vieillesse, c'est classique. C'est le vrai sens de la vieillesse. Troisième vieillesse, la vieillesse de la perte d'autonomie, celle qu'on veut absolument éviter. Celle où on a le sentiment que tout ce qu'on a tricoté difficilement dans son existence, cette adultité qu'on a fabriqué, commence irrémédiablement à disparaître. Troisième vieillesse. Voilà, effectivement, la nouveauté de notre temps, cette pluralisation de la vieillesse en trois phases. Trois phases qu'il est bien difficile d'identifier avec des âges. Là encore, chacun est juge. Alors, face à cette nouveauté, quelles sont les perspectives et quels sont aussi les objectifs ? On entend dire souvent... Bien vieillir, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Et c'est vrai que c'est là aussi frappé du coin du bon sens, rester jeune et rester en bonne santé. Philosophiquement, malgré tout, cet objectif n'a pas de sens et risque de nous rendre profondément malheureux parce qu'on ne reste pas jeune. Malgré tous les progrès, on ne reste pas jeune. Et deuxièmement, rester en bonne santé, oui, bien sûr, c'est très important, mais il est très probable, malgré tout, que la vieillesse, ce soit une santé aussi qui se dégrade. Est-ce qu'on peut mentir ? Est-ce qu'on peut se mentir en prétendant qu'effectivement, bien vieillir, c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas courir le risque irrémédiablement de sombrer dans la dépression ? Parce qu'on n'y arrivera pas. Changeons les objectifs et disons... Bien vieillir, c'est pas rester jeune, mais c'est surtout rester adulte. C'est-à-dire rester le plus possible maître de son destin. Pas jeune, mais rester adulte, dans l'autonomie, dans la responsabilité, dans l'expérience. Et si on disait aussi que rester bien vieillir, c'était pas rester en bonne santé d'abord et avant tout, mais surtout rester en lien. À quoi servira la santé ? Si vous êtes tout seul. Est-ce que le drame de la vieillesse n'est pas tant la solitude que la mauvaise santé ? Alors on dira bien sûr que la bonne santé, c'est aussi le moyen d'être en lien parce que, en effet, quand on est malade, on devient égocentrique. On vient fermé, on ne parle que de ses bobos, bien sûr. Mais ne confondons pas les objectifs. Bien vieillir, c'est surtout tenter de protéger au maximum, le lien qui donne sens à la santé. La santé, ce n'est pas le salut, même si les deux termes viennent de la même, du même mot, de la même racine. Ces deux objectifs me paraissent être deux objectifs puissants pour une politique, publique ou privée, de l'accompagnement du vieillissement. Protéger l'adulte qui est en nous, protéger les liens qui donnent sens à nos vies. Je conclurai d'un mot. En rappelant la phrase de Victor Hugo, l'avantage de la vieillesse, disait-il, c'est d'avoir en plus de son âge, tous les âges. Et puis celle de François Mauriac, ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. Je vous remercie.